Ça mange pas de pain. Ça fait du bien. Accessoiriste. La bouche. Remets la Cher web spectateur, le 25 septembre dernier, dans la charmante commune de Toulon, le petit machin bourrétique qui nous sert de président nous a livré une prestation mythique dont il a le secret. Mon petit Giorgio, je préfère que tu sois prévenu. C'en est fini des abus. Un sixième de la planète qui crève de faim, etc., etc. Fini. Le gringo du haut de ses petites talonnettes va, écoute-moi bien, moraliser le capitalisme. Ah putain, débriefing, l'hommage des processing, vas-y, action. Ça mange pas de pain, ça fait du bien. Ça mange pas de pain, ça fait du bien. Quand tu vois que deux amis peuvent s'embrouiller à vie, pour quelques euros, même pas de quoi remplir un caddie. Moraliser le système capitaliste, comme empêcher de baiser dans un club échangiste. Il est beau son palais, aux dorures arrogantes, meilleur lèche-cul d'ordures, aux fortunes indécentes. En pleine crise, j'ai lu, dans le Figaro, monsieur, et les mamiches du 16 s'en frottent encore les yeux, que le système en question n'était pas à l'horizon, indépassable de la vie sur terre, belle brochette de fion tout de même. Un peu de tenue, au premier crack boursier, ça prétit dans le slobard. Halte aux banquiers, véreux aux courtiers sans scrupules qui vilipendent votre rêve d'un monde meilleur. Non mais t'entends cette bande d'hypocrites, vous n'étiez pas si critique à la dernière famine de nègres au cœur de l'Afrique, à la dernière exécution sur chaise électrique. Ça va quand seuls les pauvres trinquent, mais quand votre fric est en danger, vous voilà socialiste. Fini la concurrence, faut nationaliser vite. Si je résume, les caisses sont vides quand on parle culture, éducation, santé, banlieue, logement, nos futurs. Mais pour éponger les dettes de Dexia, on trouve du blé sous le matelas avec les jouets de Carla. Fini l'abondance, c'est bien de faire son autocritique. Nous on a eu cette chance d'arpenter la vraie vie, loin des cocktails de Neuilly. Travailler, faire des efforts, ok, on obéit, on est même prêt à se ruiner à la tâche. Mais certainement pas pour sauver ton système du crash, plutôt pour accélérer sa chute, la tienne Nabo, et celle de toutes ces taupes planquées dans des lingots. Ça mange pas de pain. Eh bien, oui, mais je suis au courant, bien sûr, c'est pour... On fait ça pour un magazine, c'est une demande internationale, c'est pour la presse écrite, tout à fait, c'est livré en DVD, hein, ça arrive par UPS. Oui, quoi, Yann, écoute-moi bien, mon vieux Yann, je suis en pleine prise, je suis à la téloche, là, hein, téloche. Ok, eh ben écoute, je passe le bonjour à Georges, hein, à ce putain de stagiaire de merde qui est pas foutu de trouver deux accessoires plus corrects qu'une bouteille de vin et une babouche, et on se rappelle, hein, ciao. Je suis furieux! Laisse tomber, c'était Narvalo là qui. Par rapport à ce qu'on s'était dit l'autre jour, Giorgio, au niveau du matériel, je veux dire, t'as progressé un peu? Ouais, voilà. Okay, regarde. Ok. Bien. Attention, tu vas te la prendre dans la gueule! Oh putain! Tu couperas ça. Non. Si, tu vas couper ça. Non, mais concentre-toi. Mais on a fini là, Giorgio. Ah bon? Oui. Ah, mais t'es pas en. Attends, deux secondes.